Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais dire ceci à l'église. Nous arrivons à l'ère le plus difficile de notre existence sur la terre. Le Seigneur m'a permis aujourd'hui, cette nuit, d'être témoin d'une réalité qui se passera sur la terre. Entre l'enlèvement et la grande tribulation. Cela se passera d'une manière spontanée. Une fois que l'Église aura son ascension vers le ciel, directement sera l'introduction de la grande tribulation. Je vis des milliers de démons sortis sur la terre. Mais chose particulière que j'avais constatée, il y avait des sorciers qui allaient aussi tourmenter les hommes et tous ceux qui ont servi les diables allèrent tourmenter les hommes de la terre. C'était une manière spontanée, bien-aimée. Donc l'église était directement enlevée et les chrétiens restants furent conscients que l'église est enlevée. Ceux qui étaient dans leur maison ne purent même pas sortir dehors. Les fosses des enfers s'ouvrirent et les démons sortirent sur toute la terre. Il y avait des grands démons sur la terre qui allaient maintenant dans des maisons des gens qu'ils connaissaient étant chrétiens, mais qui ont raté leur premier enlèvement et allaient tourmenter de ces hommes. Et même si le porte et le fenêtre étaient fermés, ces démons créaient des ouvertures et pénétraient dans ces maisons. Les chrétiens qui n'ont pas pu être enlevés étaient brutalement torturés par des démons. Mais chose encore que j'avais remarqué, il y a beaucoup de prédicateurs qui enseignaient la vérité sur la terre n'ont pas pu être enlevés. Ils sont restés sur la terre. Alors je voulais savoir pourquoi ces gens sont restés. Il me dit que majorité des pasteurs qui enseignent la vérité n'auront pas part à la première enlèvement. Ils seront ministres de la grande tribulation. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est eux maintenant qui iront pour prêcher les hommes de ces réponses.
vu qu'il n'y aura plus de grâce sur la terre, et auront pour mission de dire à ces gens de supporter la persécution. Mais il dit que cela se passera d'une manière spontanée. Une fois que l'église est enlevée, directement les diables passent. Il y aura tellement des heures difficiles. Et s'il y a des choses que nous devons arranger, arrangeons cela. Dieu nous aime. Voilà le pays et la portion de ce que je voulais vous communiquer avant de parler pendant quelques minutes de ma prédication. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois. Dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez la vérité, vous connaissez la vérité.